l'affiche aujourd'hui, l'Italie contre la France. Bonjour Grégoire Margoton, heureux de vous accueillir pour ce rendez-vous de football. J'ai en ma compagnie Christophe Dugarry pour ses précieuses analyses techniques. Bonjour Christophe. Le plaisir est pour moi Grégoire, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un plaisir d'être ici. Les joueurs entonnent l'hymne national. Française a toujours connu de grands noms et il faut souvent compter avec les Bleus, avec un goût particulier chez les Français pour le panache, le football bien léché, tout en contrôle. Cette rencontre ne peut pas nous décevoir. Écoutez, profitez de l'ambiance au moment du coup d'envoi. Dans le vif du sujet. C'est propre, belle intervention. C'est bien de chercher la profondeur. Un bon dégagement, solide. Diaby. Superbe ballon qui passe au-dessus. Il y a bien hors-jeu, bien vu de la part de l'arbitre. Ouais, mais il est dans son registre. Il traîne souvent à la limite du hors-jeu. Mais là, il était clairement en avance. Govou. Anelka. Yacuinta. Di Natale. Anelka, Gourcuff, c'est lui qui doit créer du jeu. Sagna, Pepe, Zambrotta. Et ils ont toujours le ballon, c'est vraiment bien joué. De Rossi, Di Natale, Toubalan, Abidal. Diaby, Ribéry. Il s'empare du ballon. Crescito, De Rossi, Montolivo, Pepe. 15 minutes de jeu au chronomètre. Gourcuff, Toubalan, Diaby, Gourcuff. Anelka, Govou. Coup franc accordé, logique, c'était trop physique. Ils peuvent ouvrir le score sur ce coup franc. C'est bien dosé. Le premier but du match. Quel geste incroyable. Personne ne pouvait imaginer qu'il tenterait un coup de génie comme ça. Que peut-on dire? Lorsqu'on voit des buts d'une telle qualité, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Crescito,
De Rossi. La passe en retrait. Crisito. De Rossi. Pour une 2. Oh, c'est bien fait. Joli, superbe une 2. Il faut que quelqu'un vienne l'aider. Non, ça passe au-dessus. Bien tenté pourtant. Ah, c'était pourtant une magnifique occasion d'égaliser. Il faut qu'il oublie rapidement et qu'il se remette tout de suite dans son match. À conserver le ballon. C'est toujours bien d'utiliser la largeur du terrain au maximum. Oh, le bon tacle, il va pouvoir avancer maintenant. Gourcuff. Anelka. Sania. Toulalan. Il reçoit le ballon. Tranquille pour le gardien. Pepe. Zambrotta. Pepe. Pepe. Il centre. Éloigné d'un coup de tête. Crisito. Ils ont trois possibilités dans la surface. C'est dégagé. Chiellini. Crisito. Fabio Cannavaro. Gattuso. De Rossi. Gattuso. Crisito. Di Natale. Gattuso. De Rossi. Très bonne anticipation du gardien de but. Evra. Abidal. Diaby. Galas. Diaby. Anelka. C'est jouable, toujours en position d'attaque. Il est sur le côté, il peut tenter un centre. Dans la surface de réparation. Anelka, quel but ! C'était le moment parfait pour marquer. Ils vont pouvoir rentrer au vestiaire avec une avance de 2 buts. Et ce joueur, si tu le laisses frapper, tu n'as plus qu'à regarder ton filet côté gauche trembler. C'est déjà trop tard et ton gardien n'a plus qu'à pleurer. C'est la fin de ces 45 premières minutes. On espère bien sûr avoir un spectacle de grande qualité au cours de la seconde période. Je ne vois pas comment ils peuvent vous baisser de pied en seconde mi-temps, tellement la première mi-temps a été maîtrisée et d'une efficacité redoutable. Mais 2-0 à la pause, déjà 2 buts, c'est bien. D'autres suivront sans doute en seconde période, on l'espère. Mais ils sont toujours menés dans cette rencontre. L'Italie contre la France. Ils ont du mal à contrôler. Ce sera vers l'arrière. Di Natale. Montolivo. Pepe. Un partenaire dans la surface, c'est tout. C'est maintenant. À des kilomètres du montant gauche.
c'est dommage pour lui parce qu'on a senti un petit peu de fébrilité au moment de conclure. C'est pas très très bien joué. Gourcuff. Ils reprennent le ballon. Pépé. Le choix est important. Oh, le gardien est en danger. Solide cette intervention. Il donne son ballon derrière. Govou. Anelka. Gourcuff. Et il a remis le pied sur le ballon. C'est propre et efficace, il lui a pris le ballon. La magnifique passe dans la largeur. Govou. Et ils obtiennent un corner. Lève la tête. Un changement, ça peut changer le cours du match. Et ce sera un nouveau corner. C'est un ballon fouetté vers le but. Diaby. Ah, il a choisi de tirer, mais il y avait vraiment mieux à faire. Oh là là, c'est précipité tout ça. Il doit au moins prendre l'information pour savoir s'il n'a pas mieux à faire. Il a frappé vraiment trop vite. On a passé l'heure de jeu. Ils se disputent tous le ballon de la tête. Pirlo. Chiellini. Fabio Cannavaro. Chiellini. Criscito. Et changement de joueur. C'est une information importante, des joueurs qui s'échauffent le long de la ligne de touche. Quel manque de précision incroyable. Ah oui Grégoire, ça part d'une bonne intention. Malheureusement pour lui, la réalisation n'est pas au rendez-vous. Et un petit peu de fraîcheur pour relancer ce match. Gourcuff. Du ballon. C'est beaucoup trop imprécis. Di Natale. Iaquinta. Gattuso. Le ballon retourne derrière. Gattuso. Montolivo. Il a de l'espace devant lui. Gattuso. Voilà une possibilité sur l'aile. C'est bien dégagé. Anelka. Di Natale. Criscito. Ils obtiennent la touche. Anelka. On approche le dernier quart d'heure. Il récupère la possession du ballon. Di Natale. Gilardino maintenant. Bien défendu, le ballon est récupéré. Di Natale. Il les a vus, notre homme de terrain, ces joueurs qui sont en train de s'échauffer. Anelka. Il récupère le ballon. Impossible d'avancer alors. On repasse par l'arrière. Une très longue passe. Oh, c'est bien joué, il faut en profiter. Et c'est un corner pour eux. «
deuxième remplacement pour cette équipe. Mais aujourd'hui, il a couvert beaucoup de terrain. Il a couru dans tous les sens. Maintenant, il va lui falloir la semaine pour récupérer. Il dégage. Bien défendu, ça. Oh, la belle demi-volée. Loin, vraiment loin. Mais c'est pas très très bien réalisé. Il s'écrase un petit peu au moment de la frappe et ça l'empêche d'être précis. Et c'est important, ça s'échauffe au long de la touche. Il pourrait y avoir des changements. Di Natale. Une très grande ouverture. Il peut rentrer dans la surface. Anelka. Il ne reste plus que 5 minutes à jouer. Alou Diarra. Les 1-2, c'est vraiment un des grands moments du football. Oh, il a dévissé sa frappe sur la droite. Ouais, mais ça manque de réalisme. Du réalisme, messieurs, c'est bien beau de se créer des situations. Mais à un moment, il faut se mettre à l'abri. On l'attendait, ce changement, bien vu en tout cas. Montolivo. Gourcuff. Il garde ce ballon. Anelka. Ribéry. Tout l'allant. Et ça peut repartir de l'autre côté. Di Natale. Zambrotta. Il a été servi. Criscito. Gattuso. Oh, le bon ballon juste derrière la défense. Gilardino. Oh, la bonne frappe, elle est captée par le gardien. Evra. Coup de siffle final et l'arbitre met un terme à la rencontre. Et il remporte donc cette victoire et elle est méritée. C'était un spectacle exceptionnel. Quand le football est joué à ce niveau-là, c'est vraiment un pur régal. Ouais, c'est bien, c'est un bel effort. Il y avait tous les ingrédients pour remporter.